She racked up a staggering 2,562 points while representing her country. Standing 1.95 meters, the center played 204 games in a French national team jersey. She reached the title game of the FIBA Women's Eurobasket three times during her four appearances, the most memorable of which was in 2001 when she was crowned champion. Here is more. What an impressive career. Ladies and gentlemen, please welcome the great Isabelle Filjakowski from France. Merci, merci beaucoup. Par cette nomination à la classe 2020 du Hall of Fame FIBA, je mesure l'immense honneur d'entrer dans ce cercle prestigieux de personnalités ayant écrit les plus belles pages de l'histoire du basket. Je rejoins ainsi Jacky Chazalon, Antoine Rigaudot et Robert Blanchard, représentants français, ainsi que Margot Dedek et Mieczysław Lopatka, les compatriotes de mon pays de cœur, la Pologne. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai appris cette nomination et mes pensées vont vers la Fédération française de basket et Jean-Pierre Ciotat, que je remercie pour son soutien. L'organisation et les moyens de cette fédération permettent les parcours incroyables de joueurs et de joueuses. La qualité de la formation et le développement des activités ont permis de placer la France au meilleur niveau mondial depuis quelques décennies. J'ai une pensée pour Yvan Ménini, qui a été un président emblématique de la Fédération et de la FIBA. Il m'a soutenue dans mon après-carrière et a restauré la place du patrimoine français dans le basket français. Savoir d'où l'on vient et bâtir grâce à l'expérience passée est une marque d'excellence et de réussite. Nous sommes tous l'héritage d'une culture et de systèmes différents. Mais ce qu'ils ont en commun, ce sont les femmes et les hommes qui les incarnent. Je voudrais dédier cette entrée au Hall of Fame FIBA à mes parents, à tous les entraîneurs de mon parcours sportif, au club, mes coéquipières et mes adversaires qui m'ont permis de devenir une meilleure basketteuse et une meilleure personne. Je souhaite mettre en avant quelques personnes marquantes. Odette Grandjean, ma première entraîneuse. Gaëtan Lebrigand, cadre technique en Auvergne et qui a entraîné l'équipe où j'ai fait mes débuts en première division à 16 ans. Lale Lucic, coach serbe à Challes-les-Eaux, qui m'a fait comprendre le basket à 20 ans. Vadim Kapranov, coach russe à Bourges, et contre qui on gagne le titre de championne d'Europe en 2001. Syl Berry, coach du Colorado University, qui m'a ouvert les portes du basket américain et de la WNBA. Elle m'a transmis aussi la vocation d'entraîneuse, et je n'oublierai pas Alain Jardel, qui a amené l'équipe de France à son meilleur niveau. Ils ont tous cru en moi, ils m'ont permis de me réaliser et m'ont donné un sens à l'investissement, même aujourd'hui, dans mon métier de formatrice, de joueuse et de joueur. Je m'applique à transmettre l'amour du jeu et comment construire son chemin pour réaliser ses rêves. C'est pour cela que je voudrais remercier les joueuses et les joueurs que j'ai accompagnés au Pôle Espoir de Vichy depuis 2004, les joueurs des camps des très grands gabarits et les joueuses en équipe de France U18, U20 et après. Je finirai par citer mes coéquipières des clubs qui m'ont permis de gagner des titres de championne de France, d'Italie, de conférences universitaires, de WNBA et d'Euroleague. Nous allons fêter à Strasbourg, durant l'Eurobasket, l'anniversaire des 20 ans de ce titre qui représente le premier titre de champion d'Europe pour le basket français. Nous avons été aussi la première équipe féminine française qualifiée pour les JO en 2000 à Sydney. Mais l'histoire continue et la qualification de l'équipe de France féminine de 3-3 pour les JO de Tokyo le 30 mai dernier m'a fait particulièrement plaisir. Deux joueuses que j'ai entraînées au pôle de Vichy entre 13 et 15 ans, Maminia Touré et Laetitia Guapo,
et deux autres, Marie-Ève Paget et Swana Lucet en équipe de France A', sont devenues les pionnières françaises du 3-3 aux Jeux Olympiques. Merci au comité de sélection du Hall of Fame FIBA qui m'a permis de porter ce témoignage d'héritage que je souhaite continuer de transmettre.